comme Bordeaux, Nantes, Grenoble, Nice ou encore Brest, le Grand Nancy fait partie désormais du réseau des 22 métropoles françaises. Au-delà du statut, c'est la reconnaissance de plus de 50 années de travail au service d'une organisation innovante du territoire. Le Grand Nancy devient une métropole d'équilibre au sein de la nouvelle région Grand Est, connectée à ses voisins européens. Un interlocuteur privilégié pour le développement de l'économie de tout le territoire. Le Grand Nancy va ainsi déployer peu à peu son projet métropolitain au service de ses habitants, tout en s'appuyant fortement sur sa jeunesse, avec ses 47 000 étudiants. Un atout immense pour la toute jeune métropole du Grand Nancy. Pour moi, il y a quelque chose de singulier ici. Un patrimoine, une histoire, l'école de Nancy, un terroir, une gastronomie. Et on en est fiers, très fiers même. Pour moi, le Grand Nancy, c'est un écosystème en pleine expansion. Pas besoin d'aller ailleurs, on est reconnu, on est accompagné. Pour moi, c'est un territoire engagé. Il y a des gens hyper volontaires qui s'engagent et qui partagent leur expérience. C'est de la solidarité. Pour moi, c'est avant tout une métropole qui soutient les chercheurs et qui sait mobiliser les énergies. Il y a de l'intelligence collective ici. Pour moi, la métropole du Grand Nancy, c'est des milliers d'étudiants, de la vie, des talents et aussi un vrai état d'esprit. Pour moi, le Grand Nancy, c'est des installations sportives, du bien-être, des beaux projets, comme ici à Nancy Thermal. Pour moi, la métropole, c'est demain. Plus de réseaux de santé, plus d'innovation, en particulier sur la santé connectée et dans tout le sillon lorrain. Pour moi, la métropole, ce sont des entreprises dynamiques, des hommes et des femmes qui innovent et qui entreprennent. Ce sont tous des battants. Pour moi, la métropole, ce sont des services et des centaines d'agents engagés au quotidien. C'est du concret. Pour moi, la métropole, je comprends pas encore tout, mais je sais que c'est un petit peu tout ça.